Goku. Salut à tous, bienvenue sur Saiyan Adventures. Aujourd'hui, petit déballage, voilà, donc la Freezer, on continue donc la gamme BWFC avec la Frieza première forme, hein, donc qu'on attendait, la suivante ce sera sûrement la Cell. Donc voilà, donc la Frieza qui est arrivée, donc première forme, hein, c'est pas courant, il n'y en a pas des masses. Donc la boîte, hein, BWFC, donc là, voilà les nouvelles sculptures, hein, tout simplement. Donc ils ont renommé ça. Ils ont la boîte toujours aussi sympa. Après, celle-là, on va dire la boîte, elle me fait pas. Voilà. On va dire qu'elle m'a pas donné envie de. Elle donne pas super envie la boîte. Hein. Honnêtement, la figurine sur la boîte, je la trouve pas terrible. Hein. Je trouve pas ça extraordinaire, la gueule de la boîte. Derrière, on voit tous les pétards. Derrière, il y a un gros plan où on voit la peinture qui est mal foutue et tout. Enfin bref, l'arrière de la boîte fait franchement. Alors je sais pas si c'est l'arrière ou l'avant, ça doit être là. C'est l'arrière. Alors l'arrière donne vraiment pas envie, hein. Honnêtement, je sais pas, la peinture qui bave sur le plastron, enfin, ils auraient mieux fait de mettre, alors, à la limite, un modèle parfait, parce que là, ça donne franchement pas envie. Sur le côté, donc comme d'habitude, hein, la color édition et là, donc la version noire, enfin, il y a plus des versions grises, tout simplement, qui sont super jolies aussi. Hein. Donc là, c'est un Canadien qui a fait cette figurine, contrairement aux autres, où il y a juste un Américain qui a fait la selle, donc ça se ressent énormément, vous verrez, elle fait très comics. Et celle-ci, donc, c'est un Canadien, on va vite le nommer, Rodrigue Parallier du Canada, voilà, donc qui a fait cette figurine. Donc petit logo de la Toy, ça vient d'Asie, donc de chez mon ami, ding, ding, Grégory, voilà, tout simplement, donc ça vient de chez Greg, hein. Vous aurez tout à la fin. Figurine 30€, frais de port inclus, dans la boîte aux lettres, comme d'habitude, avec Greg. Donc on ouvre ça. Alors, comment ça se présente? On va sortir ça, voilà, donc carton, hein, sur un carton de surprotection, comme d'habitude, bref. Je vous mets la boîte sur le côté, hop. Alors, un énorme socle, une grosse queue, une grosse queue toute rose. Et le freezer, voilà, tout simplement. On va ouvrir. Donc en trois pièces. Alors, mon scalpel qui coupe de moins en moins, hein, à force de faire des unboxings. C'est surtout qu'il est plein de colle, bordel. Alors, le socle. Donc comme d'habitude, hein, le socle propre, BWSC, voilà, Banpresto World Figure Colosseum. Transparent, surimpression, donc c'est en relief à l'intérieur. Les socles sont sympas, malgré qu'ils soient beaucoup trop gros, je trouve toujours. Hein, voilà, ils font chier que leur socle est aussi gros. Mais le socle, les socles sont au moins, voilà, ils ont moins le mérite d'être un peu travaillés. Hein. Contrairement à des socles qu'on avait eu, bah, par exemple les DXF, hein, qui sont vraiment moches. Alors la queue de Freezer, avec son petit bout violet, j'aime bien. Alors je vais faire comme d'habitude, ça sent le plastique, j'adore. J'adore cette odeur de plastique neuf. Mais donc voilà, la petite queue de Freezer. Alors, moi je l'aime beaucoup Freezer en première forme, je le trouve sympa, voilà, donc pour moi Freezer c'est deux formes, hein. C'est la première, donc la forme, on sait pas si c'est la forme originale ou si c'est une forme qui se met comme ça pour être moins puissant, on va dire, donc la première forme j'aime bien dans son petit vaisseau, il est stylé, et la dernière, hein, la finale forme, parce que les autres, non merci, où il est en grand là, comme le roi Cold, franchement il est affreux, et puis la troisième en Alien là, en Xenomorph, non ça va, j'adore Alien, mais là, Freezer non. Hop, alors je l'aime beaucoup, il est grand, il est tellement grand. Il n'est pas à l'échelle, c'est affreux. Ça, c'est juste, ça me fait juste chier en fait, parce qu'il fait vachement grand. Si on mettrait, oh putain la vache, si on mettait Goku à côté, ce serait comme ça. Bref. Alors vous voyez, truc très très con, hein, je vais directement vous dire. Alors vous fiez pas à la boîte derrière, parce que je sais pas ce qu'ils ont fait, mais l'illustration de derrière est dégueulasse. Déjà il a une énorme trace sur sur son front violet là, qu'il a pas, voilà, donc là on dirait que la peinture est craquée, et la peinture du plastron bave de partout sur le truc, c'est dégueulasse, et là non ça le fait pas, donc ouais, faut m'expliquer. Pourquoi ils ont mis cette photo dégueulasse derrière quoi? C'est quoi ce bordel? Parce que là moi j'ai de la chance, mais ça bave pas. Alors à la limite, là, ils ont carrément oublié, un millimètre de peinture, à la limite. Mais par contre, le brun ne bave pas. Voilà, bon alors, à part ça, la figurine. On va lui monter sa petite queue quand même. Dans quel sens elle va? La grosse.
Comme ça. Hop, voilà. Alors, ouais, il est grand, la vache. Ça fait bizarre de voir Freezer aussi grand comme ça. Ah ouais, j'ai fait ventouse. Alors, hop. Et hop, voilà. Bah, que vous dire? Franchement, parce qu'on va dire franchement, je l'avais pas beaucoup dit encore, et puis c'est mon mot préféré. C'est pas mal. Ces BWFC sont franchement pas mal. Voilà. Alors, ces freezers, il est simple. Voilà, il n'y a pas d'habit. Voilà, c'est loin au niveau des détails d'un Trunks ou par exemple d'un Goku, hein, qui étaient franchement, qui sont vraiment, vraiment hyper détaillé au niveau des fringues et tout, c'est quand même quelque chose qui était vraiment, vraiment joli, qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir sur ce genre de gamme, sur ce genre de petites figurines à ces prix-là, qui sont vraiment, vraiment détaillées. Le Freezer, il y a beaucoup moins d'effets en fait. Après, le problème, c'est que Freezer, bah, grosso modo, il est à poil, hein, à part son plastron. Le reste, on va dire, il est cul-nu, quoi. Sa culotte est intégrée à son corps, je sais pas comment ça se passe, mais bref. Parce que Freezer a une culotte sur toutes les transformations, sauf la dernière. La dernière, il est cul nu. Voilà. Il y a un moyen de contraste de reproduction assez spécial. Mais à part ça, ouais, elles sont quand même bien finies. Hein. Honnêtement, alors au niveau de. Rien, je parle juste directement, je parle de la queue, donc de la queue, de ses bras et de ses cuisses, donc tout ce qui est rose. Vous avez vraiment un effet de peau, quoi, de pli sur toute la longueur. Après, vous avez les stries, hein, donc comme si elle était, on va dire, c'est l'âge qu'il a. Chaque strie, c'est 10 ans. Voilà. Mais voilà, le bout donc, qui est violet brillant, donc il y a un violet métallisé qui est super joli. Honnêtement, il y a pas mal de nuances. Voilà, on va dire, c'est protège tibia, on va dire. Hein. Après, voilà, les couleurs de sa peau, donc il est violet au niveau des mains, du cou et des pieds, c'est super bien détaillé aussi. Voilà, donc on voit carrément la forme des os, quoi, dans les mains. Voilà, il a les os, il a les veines et tout. Là, son petit vernis à ongles, hein, noir sur les pouces, au niveau du cou aussi, hein, donc on sent qu'il a les nerfs, voilà, qui est tout énervé. Les pieds, même chose. Et puis ces espèces de protège-tibia, on va dire. Voilà, donc brun devant avec toute une nuance de couleur, vous verrez sur les photos à la fin. Hein. Franchement, c'est franchement pas mal. Alors sa petite culotte noire, voilà, il a une petite culotte noire hein, comme d'habitude, donc voilà, il a sa petite culotte noire qui est toute noire tout simplement. Le plastron donc qui est violet aussi, donc qui est violet, qui tire quasiment sur le noir et qui devient violet sur le haut, et tout en métallisé, c'est super joli. L'arrière pareil, alors l'arrière c'est très très foncé. Le brun, moi honnêtement, alors j'ai un peu de chance, elle bave à quelques endroits, mais bon là c'est vraiment pour chipoter, hein, voilà, comme vous savez. On va pas dire que tout est beau, tout est parfait, parce que voilà, il y a des gens pour eux ça passe très bien, et il y a des gens qui vont dire ouais, mais là ça va, donc voilà. Alors, je préfère quand même le dire. Moi, je suis du genre à être chiant, voilà, autant le dire. Après, c'est sûr qu'une fois posé dans la vitrine, hein, on va pas venir la regarder comme ça à dire ah ouais, mais là t'as vu, ça bafte. À la limite, on s'en contrefout. Bah, faut quand même le dire. Voilà, vous achetez une caisse, elle a un pétard, vous allez dire ouais, mais elle a un pétard, enfin, c'est la même chose. Alors ça bave à quelques endroits, hein, voilà, donc genre sur les joints autour les joints blancs autour du plastron, il y a deux trois endroits où il y a la peinture qui bave. Après bon, ça c'est pas peint à la main à mon avis, hein, ça c'est des chaînes de montage, et puis ça défile et ça assemble, et puis voilà tout simplement. Sa tête est cool, franchement son petit scooter est très sympa, petit effet de transparence avec les sigles dedans. Freezer, je pense qu'il a pas besoin de ça là, il le détruit vite d'ailleurs dans le manga. Mais non, franchement. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit. Je la trouve, elle est vraiment sympa. Elle est un peu, elle est, ouais. Après, c'est spécial parce qu'elle est grande. Ça fait bizarre, quoi, par rapport aux autres. Alors, ouais, parce que normalement, Freezer, si on le met à l'échelle, il est pas très grand, hein, quand il est dans cette forme. Mais elle est vraiment chouette. Je suis vraiment content. Je me réjouis de recevoir la selle. Et là, un Freezer première forme, honnêtement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un. Je pense que les derniers, c'était des HQDX, un truc comme ça. Ouais, enfin, moi, c'est mon avis, elles sont juste affreuses. Et là, je suis vraiment content. Ouais, c'est un bel achat. Voilà, tout apparaît. Je vous laisse, il y a tout qui apparaît sur le côté là. Donc, dimension et patati et patata, les points forts. Et sur ce, bah, pendant que vous pouvez lire ça, je vous laisse juste vous dire que voilà, bah, merci d'avoir aidé la chaîne à grandir comme ça. Hein, ça fait plaisir. Ça fait pas encore un an qu'on existe.
Et venez sur le groupe, là j'en profite, venez sur le groupe, on a un concours pour gagner, pour remercier les 1000 abonnés sur la chaîne et sur le groupe, parce qu'on a dépassé depuis un moment déjà, mais voilà. Mais pour remercier, j'ai fait un petit concours pour gagner une Master Star, une Super Master Stars de Vegeta à la Manga Dimension. Donc il y a un petit tirage au sort qui se fera, allez regarder sur le groupe, hein. C'est dans les annonces, il faut juste partager, participer, écrire. Bon voilà, je vous laisse regarder. Et sur ce les amis, likez la vidéo si elle vous a plu, je vous fais plein de bisous. À bientôt, ciao ciao.